pas qu'ils ont prédit la fin du monde, mais ils ont prédit la fin d'une ère, en fait. Voilà. Ouais. Et à mon avis, c'est une ère spirituelle maintenant qui s'ouvre. Il est temps que l'être humain évolue, sinon on va pas aller bien loin si on continue comme ça. Mmh. Et c'est, je crois, une nouvelle étape de notre évolution. On a bien changé, là, en quelques milliers d'années. Alors justement, on va le savoir parce qu'il y a un Maya qui est avec nous. Ah. Il y a un Maya qui vient d'arriver. Et justement, on a voulu interviewer un Maya pour être sûr que, qu'on dit bien la vérité et que c'est bien la fin du monde ou pas la fin du monde. Hola, ¿qué tal, señorita? Quel est votre prénom? Ocarina. Rosé. 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 D'accord. Rosé, qu'est-ce que vous faites avec une flûte de pan? Musicas. Musicas, d'accord. D'accord. Alors, par rapport à cette fin du monde, comment ça se passe? Ça vient d'où? Est-ce que réellement ça va se passer? Ça va se passer, monsieur. Monsieur, j'ai plein de plaisir pour vous. Qu'est-ce que fait une sac géant là? Une étoile. C'est quoi? Antiquas. Antiquas de Lima. C'est Lima? Un truc antique de Lima. Ouais. Et ça, c'est pour toi, ma je parle de la même langue que lui. Oh, c'est joli, c'est quoi? C'est Antiquas. Ça sert à quoi? Non, c'est de l'autre côté, attends, le mot pas. Pardon, c'est bon. Et je suis intéressé par le petit collier là. Le petit collier en or? Non, non, mais ça, c'est à moi, c'est un cadeau. Il veut faire un échange en fait. Il te donne la statue contre le collier. Dis, sérieusement, monsieur, comment il s'appelle? Rosé. Rosé, Rosé, oui, mais attends avant de ressortir tes trucs si tu veux bien. C'est poncho et c'est tout bizarre. Concernant donc la fin du monde, alors qu'est-ce que les Mayas ont dit? Qu'est-ce que vous avez dit exactement, monsieur le Maya? Ils ont dit que ici, le réveil d'aujourd'hui va acheter pour les enfants. Le réveil d'aujourd'hui va acheter pour les enfants. Pour les enfants, quoi? Des mantas antiguas. Mais c'est quoi, pourquoi? Attends, il est en train de sortir, il faut vous expliquer quand même, vous qui écoutez Énergie et qui êtes là de l'autre côté de votre poste de radio, qu'il est en train de nous sortir des... Ah oui, c'est naturel, oui, c'est super. Il est en train de sortir des... C'est quoi, c'est des couvertures? C'est des ponchos? C'est joli, madame. C'est joli, ça va bien avec mes toits de peau, hein? Si, c'est Olivier, c'est joli. Mais non, mais il est venu nous vendre des trucs, attends. Ben bah oui, il parle pas de la fin du monde, il veut fouquer sa marchandise. José. Oh, oula, oula, t'as tout cas dit. José, est-ce que quelqu'un peut sortir le Maya, s'il vous plaît? Non, c'est un Américain, il veut juste prendre notre prénom. Attends, sortez le Maya, parce que là, il n'est pas venu nous parler de la fin du monde, il est juste venu nous vendre ses crasses. ça va aller. Sécurité, s'il vous plaît, sécurité, bon. Marco. Je veux bien faire la sécurité, s'il te plaît. Marco, sors-nous le Maya, parce que là... T'as le costume qui va avec, en plus, donc. Attends, tu sais quoi? Sors-le et nous on garde les ponchos.